Vacances Kijo, pour moi, c'est une très belle expérience. En tout cas, j'ai rencontré beaucoup de personnes, de très belles personnes, je dirais. C'était riche en émotions, mais aussi en connaissances. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas vraiment facile, surtout pour une personne assez réservée comme moi. Et j'avais aussi beaucoup de peine à prendre la parole en public. Donc, cette formation, je dirais que c'était ce qui me manquait pour sortir en fait de ma zone de confort. C'est vrai que c'était pas facile, mais avec persévérance, je suis arrivée jusqu'au bout. Et je dis réellement merci à l'équipe de Vacances Kidjo et aussi un réel merci au groupe de presse Eden TV et Diaspora FM. J'ai appris beaucoup de choses. D'abord, le savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre. Grâce à ce programme, je peux déjà animer sur une station radio, présenter sur une station, sur une télévision, je dirais. Sur une télévision, c'était une belle opportunité pour moi de participer à cette formation. Sincèrement, bon, les mots me manquent. Ça a été une expérience enrichissante. J'ai fait la rencontre de belles personnes. On a passé des moments difficiles, fun et fun à la fois. On a eu notre formation comme cela se doit. Je pense qu'on a fait de progrès. À la base, j'étais là pour la technique à radio, animation radio, puisque je n'avais jamais fait la radio. Donc, je pense que pour moi, j'ai reçu quand même un plus. Et ça a été une belle initiative de la part de notre DG, Monsieur Ahmed, à qui nous disons merci. Merci à toute l'équipe technique. Je dirais que ça ne s'arrêtera pas ici. On continuera à se perfectionner dans le domaine. Et un jour, nous espérons que vous nous verrez sur vos écrans, par la grâce de Dieu. Et je remercie tout le groupe d'Eden TV et Diaspora FM, surtout Monsieur Ahmed Arekpa pour sa patience.